Je suis contente, ça s'est bien fini, on a fait une belle saison. Tout le monde va bien, Dieu merci, et je pense que le club est fier de nous, et pour nous, on est très très fiers de nous. Et par l'esprit tranquille ? Ah, très tranquille, très tranquille, on a fait une bonne partie. C'est ce qui comptait. Après, effectivement, la troisième place, la désillusion de la première place au Final Four, là, vraiment, c'était rebondir, et je pense qu'on a très bien fini en rapportant cette 10e médaille. Tu retiens quoi de ce passage à Metz ? Même pas un passage, un bout de ta vie. C'est vraiment un bout de ma vie, je pense que... Quand je viens en métropole, ça sera Metz, ça sera mon point de ralliement. Effectivement, j'ai grandi là-bas, j'ai vécu plein d'expériences ici. J'ai pas été à la fac, j'ai vu le centre de formation, j'ai côtoyé beaucoup de filles, beaucoup d'internationales et d'autres filles qui m'ont fait grandir. Et avec Thierry et Manu, j'ai beaucoup évolué, c'est clair. Donc c'est un bout de ma vie que je laisse, mais que j'oublierai jamais. Je pars en Guadeloupe dans 3 jours, donc je pense que ça va durer un petit moment encore. Et c'est le but, la saison était longue, difficile, et maintenant faut relâcher un peu tout ça. C'est la décompression au final après ces semaines éprouvantes, tous ces voyages, toutes ces victoires, ces finales. Clairement, cette saison elle était très très longue pour moi puisque je devais revenir de blessure. Donc là on va vraiment faire un vrai stop de tout sport, un bon petit moment et recharger les batteries pour repartir. C'est important de communier comme ça avec les supporters. Oui, c'est important, ils nous ont supporté toute la saison. C'est grâce à eux qu'on fait la troisième place aussi au Final Four et pendant la finale et qu'on gagne toutes ces médailles. Donc effectivement, on doit leur rendre ça parce qu'ils le méritent, c'est clair.